m'appelle Herman, j'étais moi-même apprenti à l'Aftral il y a 12 ans, du BEP au Bac plus 2. J'ai également fait une licence professionnelle en gestion de production, option Lean Management. J'ai plus de 10 ans d'expérience en logistique, y compris en alternance. Un forum de l'emploi se tenait aujourd'hui à Villeneuve-Loup. L'idée de se surpasser, la détermination, aller. Le métier de la logistique représente 1,8 million d'emplois, répartis dans 150 000 entreprises. C'est le cinquième secteur d'activité qui recrute le plus en France. L'alternance a différents avantages. Premièrement, la rémunération. On obtient un statut de salarié étudiant. Les expériences en entreprise nous permettent d'acquérir une certaine maturité. Surtout, l'alternance est ouverte pour tout le monde, à partir de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 29 ans. L'avantage dans cette formation, c'est qu'on travaille les chapitres du programme sur Excel. Donc ça nous permet de nous améliorer avec les outils bureautiques. Ça nous permet aussi de nous habituer à travailler sur informatique. C'est plutôt à l'ordre du jour. Des dossiers Excel conçus par notre formateur logistique, Monsieur Dien. Voici quelques exemples. Donc sur le plan de chargement, la gestion sur seuil et tournée livraison. Dimensionner les équipes suite à l'activité à l'aide des tableaux de bord, optimiser la surface de stockage, planifier et préparer les expéditions, choisir l'emballage adapté et optimiser la palettisation. On passe également les CACES 1, 3 et 5. Le bac pro est un diplôme de niveau 4. Pour accéder à la formation, il faut avoir fait une seconde complète ou avoir obtenu un diplôme de niveau 5, CAP ou BEP. La formation se fait sur 2 ans. La finalité de ce diplôme permet de devenir chef d'équipe logistique. Je m'appelle Cédric et je suis formateur au sein de la plus grande entreprise ferroviaire nationale. Après un BEP, je suis rentré dans le monde du travail en tant qu'opérateur sur une chaîne de montage dans une usine automobile. Je suis retourné sur les bancs de l'école, de l'Aftral plus précisément, pour suivre une formation de bac professionnel en alternance. L'Aftral m'avait donc mis en lien avec mon employeur de l'époque. En entreprise, on m'a fait confiance et responsabilisé, tandis qu'à l'Aftral, on m'a accompagné et la combinaison des deux m'a donné confiance et permis de poursuivre mes études. Vas-y, faut. Allez, on va. Ça va. Ouais.